production écrite à deux TP. Ici, comme vous voyez, c'est une lettre. Ça s'écrit le nom de la ville, la date, donc Paris, le 10 février 2005. Bonjour à tous. Depuis le 4 février 2005, la famille compte un nouveau membre. Arthur est arrivé à midi. Il pèse 3 kg et mesure 53 cm. La naissance s'est très bien passée. Nous allons bientôt organiser une petite fête pour faire les présentations, mais nous attendons un peu pour laisser à Arthur le temps de mieux faire connaissance avec son nouveau monde. Nous vous embrassons tous, Paul et June. Donc ça, c'est une lettre. Donc c'est une lettre, Paul et June écrit cette lettre. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Vous avez reçu cette lettre, vous répondez à vos amis pour les féliciter, vous leur demandez des conseils pour un cadeau, vous leur posez aussi des questions sur l'accueil que Marie, le premier enfant, a fait son petit frère. Donc, hangaou ba la lettre ou lazim. Premièrement, félicitations نهنا الاسره بميلاد الطفل المولود الجديد وكمان حنطرح دي كيستيون على الاكوي بتاع ماري اللي هي اخت البيبي ازاي استقبلت اخوها وكمان على افكار ونصائح للهدايا دونك انا هسيب لكم الاكسبرسيون دال موديل اكزرسيس 1 داكور اون فا فوار اكزرسيس 2. Alors voilà modèle de réponse. Cher ami, c'est avec un grand plaisir que j'ai lu votre lettre et je veux vous féliciter pour cette belle nouvelle. Bien entendu, j'accepte votre invitation pour fêter l'arrivée de votre bébé. J'aimerais savoir comment Marie a accepté cette nouvelle. En plus, vous pouvez me conseiller à propos de cadeaux. Que pensez-vous de sac allongé, amicalement votre ami? Donc c'est ça, modèle de réponse très facile. Premièrement, amena remerciement, chakarna l'invitation, et après on a demandé ce qu'il a besoin, qu'elle nous tombe une nana Farai Marie, la fille ازاي انها تعاملت مع البيبي وكمان دي كونساي بور لي كادو دونك سي سا لا ريبونس. alors pour deuxième modèle ce qu'on a déjà dit on va prendre modèle de réponse aussi. donc voilà la réponse. Salut à tous, je vais vous raconter mon voyage à la montagne où j'ai été avec les collègues. Le week-end passé, c'était très amusant et agréable. Nous sommes allés dans un hôtel qui se trouve à côté de la montagne. Pendant la matinée, on a fait une réunion pour 3 heures, mais pendant l'après-midi, c'était le temps libre pour nous. Donc on a profité ça pour faire du ski, c'était amusant. En plus, toutes les soirées étaient super car nous avons y passé ensemble aussi. On est allé au resto différent et nous avons fait du shopping.